En France, il y a beaucoup d'aides sociales. Des aides sociales qui sont obtenues à travers des cotisations de chacun, employé et employeur. À savoir qu'en France, si vous êtes blanc et pauvre, vous avez le droit à ces aides. Cependant, si vous êtes non blanc et pauvre, ça peut parfois être plus difficile. Alors, on va me sortir que oui, il y a des gens qui touchent de l'argent alors qu'ils n'ont pas cotisé. C'est pas le débat. Pas le débat pour l'instant. On pourra en parler plus tard peut-être. Mais là, l'intérêt de la vidéo, c'est de dire comment est-ce que une machine discrimine une population par rapport à une autre alors que les deux populations ont les mêmes droits. Et entre guillemets, les mêmes raisons d'avoir ces droits. C'est un camarade d'armée, on a quitté tous les deux les rangs, mais on a gardé contact, parce qu'on a une passion commune pour comprendre un peu les mécanismes qui régissent nos sociétés, et il m'a envoyé ce podcast. Alors c'est sur le site de Radio France, évidemment, vous aurez le lien en description, et c'est un podcast qui dure 3 minutes, il y a l'article, mais vous pouvez l'écouter en podcast. J'en profite avant qu'on continue la vidéo de vous parler de la chaîne principale qui a plus de 18 000 abonnés sur laquelle je parle de philosophie politique. Et notamment on parle du pouvoir policier, on parle du pouvoir médiatique, on parle de Machiavel, de Max Weber, de la loi des reins, de l'oligarchie. Sujets qui je pense pourraient vous intéresser et sont traités de manière plus élevée que ce que je fais sur cette chaîne secondaire où c'est un petit peu plus, on va dire, libre dans mes propos. Algorithme de la CNAF quand le code discrimine. Alors, si vous n'êtes pas calé en informatique, vous inquiétez pas, moi non plus, mais les explications sont relativement claires. On va se mettre le podcast en vitesse accélérée. 7h20 sur France Culture, l'heure de vous retrouver, Matteo Caranta, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme chaque samedi, vous remontez le fil d'une enquête, cette semaine, un récit de fraude et d'algorithmes. Dans toute l'Europe, les systèmes de protection sociale ont de plus en plus recours à l'évaluation prédictive des risques de fraude. Et l'intensité de la chasse aux fraudeurs évolue au gré des saisons politiques en France. Et c'est l'objet de cette enquête conjointe du journal Le Monde et du collectif de journalistes Lighthouse Reports. La Caisse Nationale d'Allocation Familiale, la CNAF, qui regroupe toutes les CAF régionales, utilise depuis 2010 un algorithme pour prédire si votre profil est un profil considéré comme potentiellement fraudeur en lui attribuant un score de risque allant de 0 à 1. Plus votre score. Alors, vous aurez remarqué qu'ils nous cassent les bonbons avec des histoires de réduction d'effectifs pour faire des économies, mais que tous les outils sont bons pour garder une certaine productivité. Vous savez, quand dans les années 70-80, les ouvriers ont commencé à avoir peur de voir leur travail remplacé par des machines, eh ben, le secteur tertiaire n'est pas épargné et je pense que l'intelligence artificielle va être la prochaine source de désemploiement d'une partie de la population. Si ça vous intéresse, ce sujet-là, j'avais fait également une vidéo sur la chaîne principale dont je vous mets le lien dans le premier commentaire, sur un livre de la journaliste Tiffany Blandin qui s'appelait Un monde sans travail, et dans lequel elle parlait de l'évolution de l'intelligence artificielle comme étant les nouvelles machines qui remplaceraient les emplois, mais les emplois du tertiaire, c'est-à-dire les emplois intellectuels, les emplois administratifs, les emplois de recherche et développement, on pourrait dire. Donc des emplois qui étaient jusque-là épargnés par la machine, parce qu'il fallait un travail administratif ou intellectuel, eh bien ces emplois sont également menacés. Et donc là, on parle de la chasse aux fraudeurs pour la CNAF. Mais vous allez voir, c'est intéressant parce que parler de la chasse aux fraudeurs, pourquoi pas? Mais vous allez voir. Score s'approche du 1, plus vous risquez de vous faire contrôler. Au contraire, un score proche de 0 vous assure de ne pas passer par la case parfois très intrusive d'un contrôle de la caisse des allocations familiales. Et cet algorithme, c'est un peu dit l'enquête. Dis-moi qui tu es, l'algorithme dira si tu es suspect. Alors comment fait l'algorithme, Mathéo, pour déterminer qui ou qui n'est pas à risque? C'est tout l'objet de cette enquête très minutieuse, justement, qui décrit de réelles dérives discriminatoires dans le code de l'algorithme. Elle montre qu'il n'a pas été conçu pour identifier des comportements suspects, mais qu'il utilise des caractéristiques personnelles des allocataires considérés suspects en soi. Résultat? Donc en fait, le code, c'est un petit peu le moteur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ce que vous allez mettre comme information dans le code, l'intelligence artificielle va se servir de ça comme repère pour l'appliquer sur l'objet de sa recherche. Donc évidemment, en fonction de ce que vous mettez dans le code, bah, l'intelligence artificielle elle va se focaliser sur tel ou tel type de profil. Quand on parle de racisme systémique en France, ça en fait notamment partie, parce que si l'algorithme cible plus particulièrement certaines populations plutôt que d'autres, alors que les deux sont
dans la même situation économique, c'est-à-dire qu'elles sont tous les deux dans des profils à risque, mais que l'une est plus souvent ciblée parce que origine ethnique, religion déclarée, etc., eh bien, c'est une espèce de discrimination, c'est une espèce de sélection faite en amont par les gens qui ont codé l'algorithme. Et si les gens qui ont codé l'algorithme ont une certaine vision de la société, eh bien, ça va se ressentir dans l'algorithme. Donc, ce n'est pas totalement neutre. C'est ça le fond du problème, c'est que un algorithme ou une machine n'est jamais neutre en soi. Elle dépend de ce qu'on y met comme information de base. L'algorithme mettrait à l'abri du contrôle les hauts revenus et les couples mariés et les accentuerait sur les bas revenus, les mères célibataires, les personnes âgées ou les bénéficiaires d'allocations aux adultes handicapés originellement et jusqu'à l'intervention du défenseur des droits à l'époque Jacques Toubon. L'algorithme prenait également en compte la nationalité en attribuant un score de risque plus élevé aux personnes d'origine extra-européenne. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est, là, il vient de le dire, en gros, étaient considérées comme plus à risque les personnes issues de régions extra-européennes. Bon, vous allez dire, ouais, mais c'est tout le temps les mêmes personnes issues. Et alors, on peut pas se prévaloir d'une neutralité si, à la base, dans le code, on incrimine directement plus une famille qu'une autre. Parce que partons du principe que c'est comme ça. Et qu'en France, par exemple, dans le nombre de fraudeurs qu'il y a aux allocations, il y a moitié-moitié. C'est-à-dire moitié de blancs et moitié de non-blancs issus de l'immigration récente. Et quand je dis récente, ça peut être 10-15 ans avant. Hein. C'est moins d'une génération. Mais dans ces cas-là, c'est pas juste parce que c'est toujours la même moitié qui va se faire contrôler et l'autre moitié qui va en échapper. Pourtant, les deux sont fraudeurs au même titre et donc font perdre de l'argent à l'État et donc font perdre de l'argent aux cotisants. Donc il faut s'en rendre compte. Si vous avez deux fraudeurs de même type, mais qu'il y a un des deux qui est beaucoup plus contrôlé que l'autre dû à son ethnie d'origine, c'est une forme de racisme. Ça peut ne pas plaire, mais c'est ça. Imaginez, on aurait fait l'inverse. Imaginez seulement, on aurait fait l'inverse, et dans le code originel, on aurait dit le code applique plus souvent la chasse aux fraudes envers les blancs nés sur le territoire français et ayant vécu toute leur vie sur le territoire français que les gens qui bénéficient de la CAF mais qui sont issus d'une génération qui sont issus d'une immigration d'il y a moins de 15 ans. Tout le monde aurait dit non mais attendez, c'est quoi ce délire? Bon, donc si ça vous choque dans un sens, faut que ça vous choque aussi dans l'autre sens. C'est ça le principe. Soulevons le capot, Mathéo, et dites-nous comment fonctionne l'algorithme. D'accord, Quentin. Alors, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle du data mining, du traitement de données. Il fonctionne à l'aide de la méthodologie, de la régression logistique, une forme d'apprentissage automatique. Je vous avoue que j'y connaissais pas grand-chose et que j'ai appris beaucoup en lisant cette enquête, Quentin. Alors, en passant devant les données, les informations de chaque allocataire, revenu, adresse, âge, nombre d'enfants, dernière connexion, correspondance, litige, etc., il attribue cette note donc, et les journalistes ont demandé à la CNAF d'avoir accès au code source de l'algorithme au nom du droit d'accès des citoyens en documents administratifs. À partir de là, Le Monde et Lifehouse Report ont pu créer le code en langage informatique et tester l'influence de chaque valeur, de chaque variable sur le code final. C'est un peu comme s'ils avaient reproduit l'algorithme en laboratoire. Les 33 variables des 1600 lignes de code qu'ils ont analysées sont très explicites. Par exemple, nombre d'enfants de 0 à 2 ans révolus, puis nombre d'enfants de 3 à 5 ans révolus, puis nombre d'enfants de 6 à 11 ans révolus, et ainsi de suite. Chaque variable, chaque critère contribue de manière binaire à la note finale, positive ou négative. Autre exemple, le fait de consacrer plus de 35% de ses revenus à son loyer ou son prêt bancaire fait tout de suite de vous un suspect en puissance. Il y a aussi des variables. Vous voyez, donc si vous faites partie des gens qui consacrent un tiers de leurs revenus au logement, vous êtes considéré comme un profil à risque. Parce que ça veut dire que vous gagnez pas assez. Donc en clair, si dans l'ensemble de votre budget, le logement ne constitue que par exemple 20% de votre budget, donc ça veut dire qu'il vous reste vous avez un reste à vivre de 80%, bah vous êtes moins menacé par de fraude, vous êtes moins considéré comme un profil à risque. Pourtant, ça se trouve, vous fraudez aussi. Hein. Peut-être pas grand-chose, peut-être que vous fraudez 200, 300 euros par mois, donc c'est pas énorme. Mais quand même, c'est le fait d'avoir des hauts revenus n'empêche pas la fraude. Parce que si le fait d'être blindé, quand je dis blindé, hein, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros par mois, voire plus quand on est multimillionnaire, ça n'empêche pas de frauder. Hein. Quand il y a des affaires d'évasion fiscale, c'est jamais des personnes qui gagnent 3 ou 4 000 euros par mois hein, qui font d'évasion fiscale. Hein. C'est tout le temps des personnes qui gagnent des sommes à 6 chiffres. Donc, il y a de la fraude à tous les niveaux. Et là, donc, bon, on va pas s'éterniser sur le podcast. Si vous voulez, il y a aussi un article de l'Humanité qui en parle, je vous le mettrai en description également, il est en accès libre, mais ça résume très bien, mais c'est la même histoire. Pour moi, qu'est-ce qui est gênant? On va dire, oui, mais la chasse à la fraude, c'est normal, après tout, c'est des gens qui ont des aides peut-être indues, même s'ils ont cotisé pour ça, ils ont peut-être dépassé le délai, ou voire même ils n'ont pas cotisé, donc ils ont le droit à certains avantages que d'autres n'ont pas parce qu'ils ont cotisé. Ben, je suis d'accord, très bien. Pourquoi on n'applique pas ça à tous les niveaux?
Pourquoi on n'applique pas ça à l'évasion fiscale, à la fraude patronale, aux surfacturations? Pourquoi on ne met pas ça à tous les niveaux? La fraude sociale en France, je crois que c'est quelques centaines de millions d'euros par an, voire peut-être 3 ou 4 milliards maximum. C'est une somme, hein. C'est une somme, hein, je suis d'accord, hein. C'est énorme. 3 ou 4 milliards, ça ferait du bien à toutes les caisses de l'État. La fraude fiscale, c'est des dizaines de milliards d'euros. Des dizaines. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce logiciel en utilisant le code source, c'est-à-dire en disant, voilà, des transactions régulières de plusieurs centaines d'euros par semaine, de plusieurs milliers d'euros par semaine. On est d'accord, vous et moi, que c'est pas nous qui allons dépenser des milliers d'euros chaque semaine. Hein? Généralement, on est tous entre 1 500 et 4 000 euros par mois pour les mieux lotis. Et souvent, ceux qui gagnent plus, bah, ils ont des sociétés, ou alors ils ont des hauts niveaux d'études, ils ont des postes à responsabilité importants, ils ont des actions, etc. Mais 90% des gens, même 95% des gens, on gagne entre 1 500 et 4 000, 5 000 euros par mois. On n'est pas des gens qui allons planquer de l'argent en Suisse, ou au Luxembourg, ou je sais pas où. Donc pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un algorithme à des niveaux de fraude exceptionnels, qui permettraient peut-être de découvrir des réseaux de blanchiment d'argent, des choses comme ça, et permettre à l'État de récupérer des milliards chaque année. Des milliards chaque année. Pourquoi on le fait pas, ça? Parce que si on le fait pour les petits, pourquoi on le fait pas pour les gros? Je veux dire, si vous devez nourrir le village et que vous avez une rivière, vous allez y aller avec un filet. Vous n'allez pas utiliser une canne à pêche. Donc au bout d'un moment, qu'on arrête de nous dire il n'y a pas d'argent dans les caisses, alors qu'on met des moyens pour aller traquer des fraudeurs à 320 balles par mois, mais que quand on peut récupérer des dizaines de millions d'euros, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la technologie, etc. Vous voyez, moi, c'est ça un peu qui m'énerve un peu dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'on veut faire la chasse à la fraude, mais on fait toujours la chasse à la petite fraude. C'est vraiment du menu fretin. Je veux dire, si vous voulez nourrir le village, faut chasser mammouth, quoi. Faut arrêter d'essayer de cueillir des baies. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Continuez à lire, continuez à apprendre, et je vous dis à bientôt.